bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans Paris 360 sur un podcast de France nationale et Paris de France. C'est RTP 77, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Cette semaine, nous allons explorer une ligne de métro, la première ligne automatique depuis sa mise en service et qui va connaître très prochainement un prolongement jusqu'à la mairie de Saint-Ouen pour l'année prochaine, qui forcément aussi un changement de matériel. Si je vous montre la gare Saint-Lazare, bienvenue sur la ligne 14 appelée Météor. Et oui, car il y a lancé ligne 14 et ligne 14 Météor. Et ce sont deux choses à ne pas confondre. En premier lieu, je vais vous raconter l'histoire de la ligne 14, à l'époque exploitée par la CMP, et vous verrez que celle qui reliait le sud de Paris n'est pas celle que vous voyez et que vous empruntez aujourd'hui. Mais d'abord, mettons-nous un peu dans le contexte. Depuis 1900, la grande partie des Parisiens ont abandonné leur voiture pour emprunter le nouveau mode de transport qu'est le métro. Celui-ci se distingue par des trains plus rapides, plus ergonomiques et capacitaires. C'est alors que le métro de Paris, dont le père créateur est Fulgence Bienvenu, prenait une dimension importante à l'échelle nationale et internationale, et incita à la construction de non pas une seule à ce moment-là, mais plusieurs lignes de métro qui furent gérées par la Compagnie des Chemins de Fer Métropolitains de Paris. Pour faire plus court, CMP. Sauf qu'en 1910, celle qui exploitait à ce moment-là cette ligne de métro se trouva face à un concurrent de taille. La CNS, communément appelée Compagnie Nord-Sud, avec la création de deux lignes proposées par Jean-Baptiste Berlier. Ces dernières se distinguaient de la CMP par des cadres publicitaires, le nom des stations écrit en faïence blanche, encadré par un fond bleu, les directions affichées aux extrémités sur un tympan, des frises en motifs colorés de plusieurs manières en fonction de la station avec ou sans correspondance, et le mode d'alimentation ne se faisait pas par troisième rail mais par caténaire, aujourd'hui retiré du métropolitain. Ce n'est qu'à partir de 1930, après plusieurs modifications et à une période d'entre-deux-guerres, que la CNS et la CMP s'associent, permettant de garder l'indépendance des deux compagnies alors menacées d'être achetées par des conseillers municipaux. Finalement, c'est la CNS qui fut absorbée par la CMP qui reprena l'exploitation des deux anciennes lignes d'aujourd'hui renommées. Celle qui était baptisée ligne A devient ligne 12 et la ligne B, la ligne 13. Réellement, il devait y en avoir trois. La ligne C qui ne verra jamais le jour par Nord-Sud mais par la Compagnie Métropolitaine de Paris qui la renommera ligne 14. La ligne naquit en décembre 1936 par l'ouverture d'une tronçon portée de Vanves, Bienvenue, résultant de la décision prise dans la même période afin de mieux répondre aux besoins du réseau métropolitain. Ainsi, un beau matin de juillet 1937, elle fut ouverte et récupère la section entre Duroc et Invalides, alors utilisée par la ligne 10 et rétrocédée à la suite du remaniement qui l'impliqua cette dernière avec deux autres lignes. À partir de ce moment-là, son tracé ne changea plus, et ce jusque dans les années 70. Petite parenthèse, la CMP devena dans les années 50 celle que l'on connaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire la RATP, signifiant la Régie Autonome des Transports Parisiens. C'est alors en 1976 que la première ligne 14 fusionna avec la ligne 13 suite au prolongement de cette dernière jusqu'à Invalides depuis Saint-Lazare, ligne dont je vous en parlerai avec précision dans l'un des prochains épisodes. La ligne 14 alors malheureusement se dissout dès cette occasion. Le tracé se correspondait au parcours de la ligne 13, raison de plus de la faire disparaître, pour n'en faire qu'une et éviter les correspondances à Invalides entre ces deux lignes à part. On pensait ne plus faire face au numéro 14, mais cela aura perduré 13 ans. Un projet est venu réalimenter ce nombre. C'est le Météor, l'acronyme de Métro Est-Ouest Rapide. Initié en 1989,
Cette ligne devait desservir le 12e et 13e arrondissement parisien, ainsi que la Bibliothèque nationale de France, le tout passant par la capitale. Son principal but, alors que les travaux ont commencé en 1993, était de désengorger la ligne A du RER, dont elle se caractérisait par une attitude exponentielle de la fréquence suite à sa mise en service. C'est ainsi qu'un 15 octobre 1998, la ligne 14 ouvrit ses portes entre la Madeleine et Bibliothèque François Mitterrand, tronçon inauguré en présence du défunt président de l'époque, Jacques Chirac. La grande particularité que devance la plus récente par rapport aux autres, c'est qu'elle est la première ligne à être automatisée intégralement, autrement dit sans conducteur et autonome, signant alors l'entrée de la ville de Paris et la RATP dans une nouvelle ère. Mais alors, comment allait être gérée la ligne 14 ? Grâce tout simplement avec la mise en place d'un PCC, poste de commande centralisé avec des superviseurs d'exploitation responsables du fonctionnement de la ligne. Son automatisation a été une première et a servi d'exemple à la ligne 1 depuis 2011 et à la ligne 4 en cours de préparation, dont les tests ne vont pas tarder. Mais bref, revenons quelques années en arrière. Tiens, à son premier prolongement par exemple. Oui, car c'est en 2003 qu'elle s'étendit pour la première fois à l'ouest jusqu'à Saint-Lazare, et sa fréquentation augmenta rapidement, si bien qu'elle a provoqué malencontreusement une saturation chronique sur la ligne 13, suite à sa rapidité et à sa correspondance. 4 ans après, à l'Est, ce ne sera qu'en 2007 qu'elle est prolongée jusqu'à Olympiade. D'ailleurs, même cette dernière a suscité beaucoup de retards liés à des querelles entre la RATP et la ville de Paris, à l'effondrement d'une école maternelle sur le chantier et le déplacement des ateliers de Tolbiac National, qui piétinait alors l'emplacement de la future station. Du coup, quels sont les avantages et inconvénients de la ligne 14 ? Eh bien, la ligne 14 est avantageuse en reliant le ventre de Paris en 15 minutes seulement. Elle atteint une vitesse commerciale de 70 km entre une interstation durant en moyenne 1 minute. Mais c'est qu'elle porte bien son nom, la ligne Météor. Cependant, rien ne la dispense d'éventuels incidents auxquels elle impacte nos rames automatisées, généralement d'origine électrique. Et c'est le malheureux revers de la médaille. Petit point important entre les deux lignes 14, la seule chose qui opposait l'ancienne et l'actuelle ligne, c'était le matériel utilisé. Et c'était bien deux types qui y séparaient. La première roulait sur du fer avec des rames Sprague Thompson, le plus vieux matériel ayant longuement vécu les années 1900 à 1983. Alors que l'actuelle a opté pour du pneu. Le MP89, plus rapide, moins bruyant et à version automatisée. Toujours sur son cas, elle reçut quelques rames MP05 en 2014, identiques à ceux datant de 1989, mais en plus éclairées dans le but de renforcer le parc actuel. Un petit avenir quand même pour la ligne 14 ? Eh bien, comme chaque ligne de métro, la ligne 14 a bien son avenir. Pour 2020, les prolongements des deux côtés vont se succéder. À l'ouest, la ligne s'agrandira jusqu'à la mairie de Saint-Ouen en correspondance avec la ligne 13 et dans le but de désaturer les deux branches de cette dernière. À l'est, le tronçon entre Olympiade et l'aéroport d'Orly est annoncé pour 2024 avec un passage à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Pour le moment, le tunnel est déjà mis en route et est à mi-chemin. Le renouvellement de la flotte est prévu avec l'arrivée prochaine du nouveau MP14 à 8 caisses, dont la première rame actuellement est stationnée sur le raccordement entre la ligne 14 et la 6 à proximité de Bercy. Il sera en cohabitation avec les deux matériels à 6 caisses, en attente de leur transfert sur la ligne 4, une fois cette dernière automatisée.
actuelle de l'Aigle, 14. C'est la station la plus récente sur cette ligne depuis 2007. Mais prochainement, d'ici à peu près une bonne dizaine d'années, la ligne va être prolongée vers l'aéroport d'Orly afin de permettre une correspondance avec la ligne 18, ainsi que la ligne 17 du tramway Île-de-France. Paris 360 s'achève, mais ne vous inquiétez pas, l'émission sera en son retour la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, l'info continue sur nos comptes Instagram ainsi que notre compte Twitter. D'ici là, je vous souhaite un excellent après-midi, un bon week-end. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.